tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Alors bonjour. Oui, bonjour. Alors vas-y, présente-toi. Alors je suis Sylvain, je suis propriétaire de cette voiture. J'ai 65 ans maintenant, j'étais pilote de voiture. J'ai fait 3 Paris-Dakar comme pilote dans les années 86 à 88. C'est vieux, on a bien roulé et on avait envie de faire du rallye tout terrain, mais en Australie. Donc, d'accord. C'était l'Australian Safari. Donc, on a acheté cette voiture-là en 90-91. D'accord. Et puis, elle a été préparée en Belgique par Jean Gélon. D'accord, pour ceux qui connaissent. Gélon était un préparateur, donc, qui a surtout adapté un compresseur. C'est un moteur, c'est le 405 MI16 en 16 soupapes. Donc, avec compresseur Sprimtex. L'avantage du compresseur, c'est d'avoir une puissance en très bas régime. Voilà, le couple instantané, très bas régime, exactement. Par rapport à un turbo qui donne du couple en haut. Voilà, exactement. Ouais. Alors, combien de chevaux elle a, cette voiture? Alors, cette voiture, elle a 320 chevaux. Ouais. Donc, tout est essence avec compresseur. D'accord. Et c'est une 4 roues motrices en plus. En 4 roues motrices. Voilà. Donc, elle était 4 roues motrices à la base ou tu l'as fait modifier en 4 roues motrices? Alors, Peugeot avait sorti ses 405 4x4. Donc, naturellement, d'origine, c'était en 4 roues motrices. Elle était déjà d'accord. Ouais. Ok. D'accord. Donc, oui, il n'y a pas eu de modif de transmission, c'est d'origine comme ça. Alors, oui et non. Ça a été renforcé, j'imagine. Voilà, on a renforcé tout ce qui est transmission. Ouais. On a adapté une boîte de vitesse spéciale pour avoir du couple en bas régime. Donc, on a fait une boîte hyper, hyper courte. Voilà ce que j'allais dire, des rapports courts. Qui plafonne. Donc, cette voiture, en termes de vitesse, est limitée. À peu près se limite à 200-220 km/h. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, mais ouais. Peu par rapport à la. Et par contre, en accélération, ça doit être monstrueux. C'était monstrueux, surtout. Très bien, c'est super. On va faire un petit tour de la voiture, avec plaisir. Ok. Je vais le fermer. Oui, on voit qu'elle est plus du tout d'usine. Hein. Là, pour le coup. C'est la voiture, l'usine. Et alors, tu me disais, tu as un réservoir de 400 litres. Oui, 320 litres. 320 litres. Oui, qui est juste derrière. Oh, c'est incroyable, 320 litres de carburant. Bah, oui. Pour avoir 1000 km d'autonomie. Donc, les roues. Donc, il y a deux roues de chaque côté, le réservoir entre deux. C'est assez incroyable. Il y a même les plaques de désenlisement. Exactement. Alors, tu as carrément. Ah oui, tu remplis par le haut en fait le réservoir. Ah oui, avec des chiales. Oh la vache! Incroyable! Une bouteille. Allez, un litre. Non, mais je pense que j'ai peut-être un souci, parce que j'ai changé de bougie. J'ai changé de bougie, là. Ouais. C'est la vraie vie. C'est la vraie vie. On ronfle bien. Donc là, c'est un exemplaire unique. Oui, exactement. Je suis dans une voiture unique, en fait. Attends, je sais pas où ça va. Ça fait...
Bah super. Merci pour le petit tour. Tu veux faire ça se coupe bien, ça se coupe bien. Ouais. Hop là. Ah, vraiment génial. C'était. Ouais, super, super. Ça. C'est impressionnant. J'imagine bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Et les voisins, ils gueulent avec le bruit. Ça pète bien. Ah bah oui. Il y a deux doigts de caler à chaque fois. T'as vu comment elle est rehaussée, regarde. Ça va qu'elle criait ? Je sais pas. Si, c'est les voisins. Ils sont pas contents du bruit. Ah, c'est eux qui ont crié ? Oui. C'était maman qui disait ouais. On finit ce bordel. C'est vrai ? Oui. Oh la vache. Bon, en même temps, elle fait un petit peu de bruit sa voiture quand même. Un petit peu, moi je dis. Tout petit peu, hein. Ouais, bah, j'ai entendu d'ici. Ouais, on pourrait pas y aller ? Non, Théo, il vaut mieux pas. Je t'ai dégoûté, moi. Ouais, mais ça se coupe dans tous les sens. Ça se coupe bien. T'imagines ça, tu fais 1000 km de rallye là-dedans, mais ouais, tu dois avoir le dos en compote à la fin. En mode poussière là-bas, tu sais. Ouais, bah oui. Et tu te dis, ah ouais. Bah ouais, il fait juste là au pire, là même. Il fait juste un tour comme ça. Allez, Alison! Oh. C'est le manège! Alors après, le monsieur et puis lui, là, donc, s'est intéressé pour faire. Qui nous amène faire une petite accélération. Oh, c'est génial! Oh, c'est trop bien! C'est marrant, hein? En fait, c'était les voisins. Oui, je les ai entendus crier de. C'est génial, le délire. Elle est morte de rire, Alison, regarde. Elle adore ça, elle. C'est incroyable. C'est trop bien. Ça t'a plu? Ouais. Alors du coup, tu fais des randonnées touristiques, c'est ça? Alors, là, on a organisé, enfin, on a créé une application touristique. Le principe, c'est de garder le touriste en France. Ouais. La volonté de tout ce qui est grand groupe touristique en France, c'est de garder nos touristes. Et nous avons trouvé l'idée de garder ces touristes en leur proposant un jeu permanent. D'accord. Dans ce jeu permanent, le touriste, avec son application, son téléphone, va devoir capturer des points qui sont des points géolocalisés, qui sont des églises, des monuments, mais c'est aussi de passer chez des producteurs de vin, d'alcool, de fromage, de saucisson, tout ce qui est français, vraiment. D'accord. De chez nous. Génial. Voilà. Et à chaque fois, le touriste va marquer des points. Et en fin d'année, il va gagner une voiture. En fin 2021, on met une voiture en jeu. Ah ouais. Une vraie c'est voiture, énorme. 4 roues, peut-être pas une Tesla, mais une belle voiture. C'est énorme, c'est génial. Ouais, et donc ça s'appelle comment? Alors ce jeu, il s'appelle Go France. Go France, hein, vous pourrez trouver go-france.net. Ok. Ouais. Donc à voir où ça marche sur l'application Android et iOS sur Go France, sur Apple, iPhone, voilà, et sur voilà, iPhone, iPhone, etc. Et là, ouais, donc sur Go France. Et ben génial. Et puis des lots, donc il y a 375 000 points qui sont déjà sur toute la France. D'accord. Et le patron, donc c'est mon fils qui a fait l'application, c'est Simon. Et donc Simon c'est celui qui trouve le plus de points qu'a gagné en fait. Exactement. Ouais, c'est voilà, génial. Voilà. Un peu c'est comme ça. Le Globetrotter, quoi, qui va aller partout. C'est exactement ça. C'est des points. Génial. C'est parfait. Et ben super idée, on te remercie beaucoup. Mais je t'en prie. Allez, merci pour tout. Merci, ciao.